Leaders. Et les idées forces de ce livre qui s'appelle, donc, comme je vous l'ai dit, La Tunisie, une révolution, un pays d'islam, c'était d'apporter un témoignage, de restituer le grand événement révolutionnaire que nous avons vécu, de rétablir la révolution dans son droit, c'est-à-dire de dire qu'elle fut vraiment une révolution. Certes, la révolution tunisienne n'a pas de rapport avec les révolutions qui l'ont précédée, je le dis clairement dans mon livre. Elle n'a pas de précédent dans l'histoire et elle a des caractères extrêmement particuliers. Donc j'ai situé l'événement dans son contexte historique, ensuite j'ai révélé les contrastes, ou vous pouvez dire les contradictions de la révolution, j'ai fait la scénographie de la révolution, ensuite j'ai évoqué la force du droit dans cette révolution. C'est quelque chose qui caractérise d'une manière tout à fait spécifique la révolution tunisienne. Et enfin, j'ai évoqué ce que j'ai appelé, dans la dernière partie, la partie 7, les batailles pour la Constitution.